bonjour Minecraft, ici c'est B35 et pour la suite de Minecraft vous êtes offert en compagnie d'un golem qui a complètement perdu la mémoire, j'ai l'impression. Non. Alors golem, pour casser des blocs, utilise une pioche. Et c'est un joueur qui lui rappelle un petit peu, qui lui rafraîchit la mémoire. Donc aujourd'hui on n'a rien de précis à faire, on n'a rien prévu en tout cas. Mais on a le golem qui est de retour quand même. Mais ça c'est déjà pas mal. Ouais. Et il a vraiment pas habitude parce qu'il s'était perdu quelque part, il s'est enterré dans un coin, était dans un semi coma pendant à peu près 3 mois là, et il vient de se réveiller, on l'a récupéré. Golem. Il lui a foutu un alors soin à la gueule. Que tu as du bois. Non mais c'est bon, je connais les bases quand même, mec. Ah oui, merde. De cette aventure. Ouais, parce que il y a des mécaniques un petit peu bizarres, on n'est pas sur le monde habituel. Mais bon, il a pas complètement perdu la mémoire non plus. N'est-ce pas, Tinjoff? Va te faire foutre, Tinjoff. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Moi? Ouais. Il utilise de la magie. Même en courant, si je puis dire. C'est-à-dire que cette baie a du souffle. Ouais. C'est pas moi. Ah, conne. Là, tu t'es littéralement jeté dedans. Conne. Non, non, là je te le dis, tu t'es littéralement jeté dedans. Oui, c'est pas faux. Ah là là. Qui a des bouteilles d'eau, s'il vous plaît? Ah, tiens, regarde au-dessus de ma tête. J'ai tué une sorcière et elle m'en a donné. Mais où es-tu? Derrière toi. Bon, t'as des bouteilles sur elle. Où es-tu? Derrière toi. On sait toujours pas ce que t'as un Geoff Manigance avec ce truc sous l'océan. Sous l'océan. La 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 la. C'est sûr que c'est demain tu vas aller à l'Olympia. C'est Falaval. C'est Falaval qui a fait le truc sous l'eau. C'est Falaval qui l'a fait? Oui, sous l'eau. C'est ou Démon 3X, peut-être. Je sais plus, c'est un des deux. Mais c'est beau en tout cas. Ouais. Y'a un type qui s'amuse avec son micro à foutre des bruitages dessus, genre pour qu'une moto passe alors qu'on est en plein milieu de la nature et qu'il y a personne. Pour une fois, c'est pas moi qui m'amuse avec mon micro. Ouais, parce qu'on a une boîte de bruitage en fait sur notre petite navigation. Des fois, on capte la radio, c'est pour ça que vous l'entendez un petit peu derrière. C'est un Geoff qui met ça pour se calmer. C'est... T'as Geoff se fait réconforter. Ouais, on va pas trop lui demander d'arrêter parce qu'il va craquer un air généralement. Bah déjà que j'ai du mal à contenir quand j'ai un briquet dans mon inventaire. Ouais, je vais peut-être te le voler ce briquet un jour. Non. C'est contre toi parce que... Oh tiens, la tour en cobble du Tinjoff qui n'a rien perdu en architecture. Nanana. Je te rappelle et que c'est moi... en maturité aussi. Connard. Qu'est-ce que je viens de dire? Viens là que je te bute. Oh là là, quel cri d'une énergie folle. J'ai très peur. Oh merde. Ah, il y a un arc. Mais quelles sont ces cultures qu'on voit partout? Avec plein de bambou. C'est ce qui vous permet de bouffer, de faire du papier. Et des gâteaux. T'as de la chance, je fais exprès de viser à côté. On s'est écrasé là à la toute base. C'est quoi ces... Grand monsieur tout noir là. T'as déjà oublié? Bah toi aussi t'as des pertes de mémoire hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, je veux dire? Mais ils se pourchassent. Bah ils sont partout. Ils se pourchassent carrément. Reviens là. Ils sont partout. Ils aiment pas l'eau par contre. Ils se déportent partout. Oui, c'est en gros un espèce de gros truc noir avec des yeux violets, c'est ça? Ouais. Oui. On les a rebaptisés Underman parce qu'on n'avait pas trouvé de nom original et que... C'est sûr. Bon, ils sont passés où maintenant? Non, mais s'il te plaît, hein, Geoff. Ah! J'ai fait des flammes qui volent. Mais à chaque fois, tu te jettes dedans. Hein. Vous avez d'autres légumes que ces trucs-là? Enfin, ce blé. Tu peux en crafter du pain. Mais... Non, mais on s'en fout du pain. Bah, c'est ce qui permet. Mais ça donne de la boue. Oui, mais... l'attaque! Vous avez pas des carottes et des patates par exemple? J'ai pas mal de carottes mais. Faudrait peut-être penser à les planter.
Reviens là! Reviens là! Et toi non plus, t'as pas perdu de mat... t'as pas gagné en maturité, hein? Comment ça? Tu m'as traité de connard il y a 2 minutes. Mais oui, mais T'as pas le droit de dire ça! Et tu vas foutre le feu à la forêt, fais gaffe! Fanax l'a déjà fait. Ils sont énervés aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a de précis à faire pour l'instant? Ce serait bien d'essayer de. Visiter, découvrir le monde. J'ai déjà fait ça hier. On refait ça aujourd'hui. Oui. Tout, 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 tout. tout, 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 blablabla. Connard. C'est toi qui t'es jeté dedans. Je l'avais posé 2 blocs devant toi et t'as continué à avancer. Écoute, j'avais pas vu. Après, si t'es devenu aveugle, c'est pas de ma faute, hein. Bon, écoute, c'est à peine perturbant de rester des années entières sur une île. Tu vois, ça me donne la rage en plus. Et puis on commence à se faire des blagues. On commence Tu à sais, dériver, je crois. Au sens j'y suis propre du resté plus terme. longtemps que toi, et seul. Oui. Bon, là, je pense que c'est déjà une chance que t'aies survécu et que tu ne sois pas tiré une balle. J'aurais voulu me tirer une balle plusieurs fois. Il m'aurait déjà fallu un flingue. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de pistolet. Voilà, t'as tout compris. Ouais, pour se tirer une balle, c'est mieux d'avoir un flingue. Là, c'est moi qui te l'ai mis. C'est fou qu'avec tout ce métal et cette poudre explosive, nous ne puissions pas faire de pistolet. Ouais. Après tout, on peut quand même faire des explosifs, hein. Mais Oui. c'est trop compliqué à faire. Et puis on Ouais, regarde j'en ai aussi un pour dans la la main. Joris J'en ai un. Industrie. Quand est-ce que tu t'occupes de ça? Joris, il m'engueule tous les matins dans l'oreillette. Par ta faute. Et je suppose que Fanax subit la même merde alors. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Mais ça reste chez Calme. personne. Oh, Reste voilà de une calme. maison. Oh, un golem. Golem, retourne-toi. J'adore les golems. Ah bah Je trouve merde, quand même les j'étais parti. golems. Oh, la nuit tombe, golem. Qu'est-ce qu'on va faire, golem? Il y a des monstres la nuit, golem. Sauf qu'on s'est créé des équipements tellement. Tellement incroyables, je disais, qu'ils ne peuvent plus rien contre nous. On est devenus très costauds. Golem, t'as rien vu, rien entendu, rien senti. Tu maltraites Non. pas, golem. Tu maltraites Mais je suis personne. résistant à la lave, tu sais, c'est pas grave. Ah sérieux, ça débouche directement ici? Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Je plante du cactus. Non, Pourquoi pas ça faire comme s'appelle de la canne à rigolo, hein? sucre. Ou du cannabis, c'est comme tu veux. Putain, Joff, qu'est-ce que tu fais dans ces champs? Je plante. Voilà, attends, Quel Joff. champ? Là où tu Moi, plantes de la je suis canne à pas très sucre, chaud. soi-disant. Ah non, mais moi, je suis en plante de la canne à sucre. Rigolo. Beaucoup de canne à sucre. Après, on peut fabriquer du sucre ou de la poudre. Ça dépend. Quel genre de poudre? Devine. Du cannabis. Vite, après ça part en Sauf que le vidéo, je vous cannabis s'assume, rappelle. c'est pas une poudre. La poudre, ça serait plutôt de la cocaïne, je crois. Non? Bon, dites, on est Ouais, censé être sur une chaîne peut-être. tout public là. On parle pas de ces Chaîne sujets-là. interdite au moins de 18 ans. Si, Ouais, bon bah il y a un craquage de si, nerfs général, peut-être de qu'on manière générale. Je répète le mot vienne. général. Mon Faudrait général. déjà qu'on. Il faudrait déjà qu'on revienne en vie pour que tout quelqu'un entende ça. Ouais, Mais mais pourquoi je suis a-t-il assez de la confiant pour lave ça. par terre? Pourquoi je suis dans la lave aussi, moi? CLB, t'es où? Oh, je suis. Je suis nulle part. Oh, hop, oh, y a un truc qui CLB. m'attaque Non, je dans descends. Ok, je sors de là. À l'attaque! À Y a un mort! truc Voilà. qui m'attaque dans l'ombre. Je vais mourir. Aidez-moi! Fais gaffe! Oh! Fais gaffe! Oh, il est mignon! Aïe! Tu ne mourras jamais. T'es Et où? bien sûr, bien sûr. Alors, Golem s'approche d'un creeper. Le creeper a visé Golem. Et le creeper m'explose dessus et n'explose pas sur Golem. Bah, les creepers, ils font pousser Je des n'ai eu creepers en aucun faisant des dégât. manipulations random, Il c'est ne ça qui m'a fait pas fait peur. mal. Les creepers sont gentils et ils aiment la vie. Ils aiment la vie, sachant que dès qu'ils voient un type, ils Ouais. explosent.
Mais qu'est-ce donc que ça? Aïe. Au secours, une sorcière, à mort. Voilà. Au secours, un Enderman, à mort, à mort. Mais vous êtes pas censé être le seul être humain. De quoi? Si on considère que les sorcières sont des humaines, pourquoi vous êtes les seuls humains? Je pense que les sorcières, les sorcières sont... ne sont pas des humaines, elles sont vertes. C'est des sorcières qui viennent de la... Ou alors c'est moi qui ai des problèmes de vue. Je pense plutôt que cette option est juste. Ouais, ça, on s'en fout, on est plus à ça près. Non, ils viennent du mec là dont Joris nous parle sans arrêt. Ah oui, c'est vrai, ce type là. Le diable ? On sait pas, ça s'en rapproche sans doute. Ce type qui nous a foutu sur cette île sans protection. C'est un dragon, putain, c'est un dragon. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bon bah depuis que Jeb s'est détaché, il va où il veut, il broute hein, au hasard. Coucou Jeb. Ah, t'es à côté de Jeb, je peux voir ? Ouais, viens voir. C'est bon, j'ai planté tout le cannabis pour lancer ma production. Bon, qu'est-ce que je vais me faire les couilles en or. Bon. Selby, tu te vois pas ? Ah, t'es là-bas. Par contre, je ne vois pas. Ah ! Il est sérieux ! Le cré féminin de CLB. Bah, je commence à avoir l'habitude. Non mais... je bois de l'eau et le mec... explosif ! Bam ! Allez, Jeb. Quand tu as dit qu'on... Quand tu as dit qu'on pouvait faire des explosifs, j'ai pas pu résister. J'avais de la poudre à canon. J'avais de la poudre à canon. C'est quoi exactement comme explosif ? Du TNT. De la TNT. J'ai été dessus avec avec des fleurs. Avec des fleurs. On dit du TNT, connard. Enfin, ça serait pas de la TNT plutôt ? Non, non, c'est du TNT. Fais gaffe. On a bien appelé ça de la TNT, notamment dans la Comic Play. Mais c'est du TNT. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un zombie ou un creeper ou n'importe quoi, c'est moi qui le vise ? Parce que je viens de tuer un zombie qui me spottait. Et que tu as eu le deuxième zombie, que donc justice est faite et que c'est moi quelqu'un qui tue le zombie. Quelqu'un a besoin d'andésite poli. Selby, faudrait vraiment que tu arrêtes de le jeter dans le feu. J'ai besoin d'andésite poli. Puis-je la prendre? Oui, vas-y. Pas sur ma maison. Pas sur ma maison. Pas sur ma maison. Je répète trois fois. Je répète trois fois. Je répète trois fois. Oh là là. Ça devrait être suffisant pour se construire une maison. Bon bah... Oh, une caverne. Oh, un joli petit comme Magic System. Truc vert. Un joli petit truc vert avec un t-shirt bleu et... Ah oui. Et qui fait quoi? Qui est en train de me caresser, je crois. Putain, Joff, éteins cette radio par pitié. Yo! C'est quand même chiant qu'on arrive à capter les ondes radio, mais qu'on n'a qu'un récepteur, pas un émetteur, et qu'on ne capte pas Internet. Ça, c'est sûr que c'est un peu con. Le monde est contre nous. Et là, je crois qu'il va être temps de mettre fin à l'épisode, donc je vais quand même vous remercier devant un creeper. Non ! D'avoir regardé. Je suis enfermé. Bordel. Et donc, sur ce, je vous dis au revoir. C'était Cell Bay. Cell Bay. Et pas Michael Bay. Yeah.